Donc là, nous avons mesuré 30 g de farine de coco. Donc nous allons faire une recette de pain à la farine de coco. Okay. Donc on a 30 g de farine de coco. Et on va ajouter, on va mélanger tout en fait. On va ajouter une cuillère de crème, 35%, une cuillère d'huile d'olive. Voici l'huile d'olive, on va mettre une cuillère. Avec un œuf. La levure, c'est un quart. Et un petit peu de sel. Un petit peu de... Je ferme. On va mettre cette pâte dans le ramequin. Et on va cuire pendant 90 secondes, donc 1 minute et demie. Au micro. Donc je vais le démouler. Et je vais couper en deux. Je vais donc couper en deux. C'est très chaud. Je vais couper en deux et je vais... je vais donc griller. Donc là, on a le pain grillé. L'œuf. Moi ici, j'ai provolone, donc je vais l'utiliser. Donc vous pouvez mettre cheddar ou... en tout cas, fromage en tranche. Je mets. Je vais mettre aussi des bacon. Vous pouvez disposer dans l'ordre qu'il vous plaît. Et ça. Et je referme avec ça. Donc là, on a un petit déjeuner parfait. Vous n'avez pas à donc voilà. Donc vous avez le pain, l'œuf, le fromage, la viande, le bacon. Et voilà, parfait. Est-ce qu'on fait un test-test? Bien comme ça. Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons avoir une autre idée de petit déjeuner, c'est du céréales keto ou granola. Et pour réussir cela, il faut déjà avoir son granola prêt. Ça, c'est ça, je l'ai fait il y a quelques temps, donc je l'utilise pour mettre sur des desserts ou quand je veux utiliser, quand je veux faire justement un petit déjeuner de granola, de céréales. Oups. Donc ici, je vais mettre le granola. Très simple en fait, vous mettez du lait d'amande ou du lait de coco non sucré. Donc ici j'ai du lait d'amande non sucré. Le non sucré, ben, vous pouvez ajouter quelques gouttes de stevia si vous voulez ajouter un peu de ah, c'est parfait. Donc c'est liquide et puis vous pouvez ajouter du yogourt grec sans sucre si vous l'avez ou un autre gras, une autre source de gras. Ici j'ai un petit fromage cottage, donc je vais ajouter juste un peu, prenons une cuillère, donc je vais mettre mon, je vais tourner un peu et ajouter des fruits. Ici j'ai des fruits des champs que j'ai déjà lavés. Alors, vous mettez des fruits là, et si vous voulez un petit goût de sucre, vous pouvez mettre un petit sirop sans sucre. Ce que j'ai, c'est celui-ci, sirop sans sucre. Je l'ai acheté à Amazon parce que c'est difficile de trouver les sirops sans sucre en magasin. Donc voilà, vous avez votre bol de céréales qui est prêt à être dégusté. Voilà une autre idée de petit déjeuner très santé qui va vous caler en fait, qui va vous rassasier. Alors test, on va tester ça au goût. Commencer.
C'est vraiment bon. Une autre idée de petit déjeuner, c'est les crêpes. Et aujourd'hui, on va voir les crêpes légères. Donc, on peut avoir les crêpes légères, donc bien fines, comme les crêpes légères françaises, ou les crêpes un peu plus grosses, pancakes, un peu plus épaisses. Moi, j'aime les crêpes légères. Et on va voir ça ensemble. C'est très facile. Ça peut donner autour de 2 à 3 crêpes. Donc là, j'ai un œuf que je vais casser. Une cuillère de cream cheese. J'ai toujours envie de dire en anglais, mais c'est fromage en crème. Et la crème fouettée, un quart de tasse, on va mettre un quart de petite cuillère de l'enveloppe de psyllium. Je vais mettre ici des fruits découpés, des fruits des champs. J'aime les fruits des champs, donc je vais faire un petit mélange de fraises, framboises, mûres et blackberry, bleuet. Alors, la première crêpe est trop légère. Donc je pense que pour la suite, je vais mettre un peu de... Je trouve que la crêpe a été, le premier tour, c'était vraiment très très léger. Alors j'ai ajouté un peu de farine pour l'épaissir un peu pour le deuxième tour. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur la recette parce que je l'ai déjà faite. Peut-être que je n'ai pas laissé assez reposer parce qu'il faut laisser reposer 10 minutes avant de frire. Peut-être c'est pour ça. Donc, en tout cas, on a quelque chose un peu comme ça là. Et je mets souvent du sirop. Ça, c'est un sirop sans sucre. C'est vrai que c'est pas sucré avec du stevia, mais c'est moins pire. Donc, on peut mettre donc du sirop sur un peu de sirop. Donc, voilà. Aujourd'hui, quatrième idée de petit déjeuner, on va faire un sandwich BLT. BLT. Alors, on va voir une autre sorte de pain que vous pouvez faire juste en 90 secondes, c'est-à-dire 1 minute 30 ou maxi 2 minutes. Et donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce que on fait ça. Donc, ici, j'ai ma balance culinaire que j'ai là, j'allume. Du bacon, donc j'ai deux tranches de bacon ici que je cuis. Pendant que ça cuit, je fais le pain. Alors pour le pain, j'ai donc mon ramequin là que je beurrais. Je vais mettre les œufs, la farine d'amande, je mets un œuf, 30 g de farine d'amande. De farine d'amande, 15 g d'huile d'olive et une petite cuillère de levure, une demi cuillerée. Et c'est tout. On tourne 30 g. Comme ça, on va s'embêter.
Notre bacon est prêt. 15 g d'huile. Petite cuillère. Demi-cuillerée. Voilà. C'est tout. Voilà le pain qui est prêt, donc on va griller ce pain. On va mettre ça ici dans le grille-pain. Et je pense que ça c'est bon, donc on va le griller. En attendant, on va couper quelques tranches d'avocat. Et on a tout de nécessaire ici pour faire le montage. Donc pour faire le montage, donc c'est ça. Alors on va faire le montage. Bon, je peux commencer par ça, mettre quelques feuilles de laitue. Ensuite on peut mettre vous mettez comme vous voulez. Je peux mettre du bacon. Et après, je vais mettre un petit peu de mayonnaise. Ça sera méchamment keto là. Je vais couper un peu l'avocat parce que ça, c'est un peu gros. Et je vais fermer comme ça. Donc, on a l'autre moitié de pain, la laitue, le bacon, l'avocat. Et c'est ça. Et je vais aussi mettre un petit peu de fruits à côté là. Voilà. Donc voilà mon petit déjeuner. Autre que l'omelette. Prête à manger. Alors on va faire le test de ce bon sandwich BLT. Très bon, très très bon. Une autre idée de petit déjeuner. Aujourd'hui, on va voir les waffles. Waffles en français, c'est quoi? Gaufre. 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 Et comme on est à la saison des citrouilles avec l'automne qui est arrivé, ici c'est la saison des citrouilles, mais d'où je viens, c'est pas la saison des citrouilles. Mais comme on est ici, on va essayer de s'adapter. Alors on va faire gaufre avec la citrouille. Gaufre citrouille keto. Donc ça va vous donner des idées. Et c'est très simple, nous avons ici les ingrédients pour ça. Donc ici, ça prend juste un œuf. Ça prend la cream cheese, fromage en crème, c'est ça. Juste 1 once. J'ai envie de parler. Une pincée de sel, 2 petites cuillères de monk fruit, donc sucre de moine, c'est ça, qui est tout à fait keto. La vanille, l'extrait de vanille et la citrouille en purée, c'est ici. Je préfère acheter la boîte déjà faite là. La poudre à pâte et l'épice de citrouille. Et on a aussi la farine de noix de coco qui est là. Donc, la recette est très simple. On va tout mélanger en fait. Donc, on va mettre l'œuf. J'ai déjà mis le cream cheese. Ah, le mot ne vient pas vite. Le fromage en crème. Donc, je mets l'œuf. Je mets des produits secs. Donc, d'abord, 2 cuillères de farine de coco. Sucre, monk fruit. 2 petites cuillères. Donc ici, j'ai payé en vrac, monk fruit. Des petites cuillères
poudre à pâte. Et quoi d'autre? 2 cuillères purée de citrouille. 2 cuillères. On va mettre une. Et 2. J'ai l'impression que j'ai mis beaucoup. Une pincée de sel. Et la vanille. Bon, ici on va mettre 2 parce que j'ai pas ma petite cuillère. Il reste ça. Donc ça c'est l'épice. L'épice. Je vais beurrer un peu. Je vais mettre un peu d'huile. J'ai l'impression que c'est un peu dur. Comme. Ça doit être à cause de la farine de coco. On va fermer. Donc c'est prêt. Voilà. C'est trop. C'est bon. C'est bon.